Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser une brioche mousseline. La liste des ingrédients se trouve dans la barre d'infos de la vidéo. Nous commençons par casser les œufs dans une tasse. Nous allons réactiver la levure dans un peu de lait. Nous déposons la farine dans le bol du robot. Suivi du sel. Ainsi que le sucre. On mélange tout. Nous allons rajouter nos œufs. La levure lait. Nous commençons à mélanger le tout avec la feuille. Et nous allons finir de pétrir sur position 2 avec le crochet pendant 10 minutes. Sont passées, nous allons rajouter notre beurre. Nous allons légèrement fariner notre saladier. Où nous allons y déposer notre pâte. Que nous farinons légèrement. Que nous allons recouvrir d'un linge propre pour laisser reposer pendant 1 heure et demie. Une heure et demie plus tard, nous allons dégazer notre pâte. Fariner notre point de travail.
y déposer le bâton. Que nous allons diviser en plusieurs morceaux. Nous allons former des espèces de boudins. Que nous allons déposer délicatement dans un moule. Et nous allons recouvrir à nouveau afin de laisser reposer 1 heure et demie. Une heure et demie plus tard, nous avons mis un jaune d'œuf dans une tasse. Nous avons rajouté un léger filet de lait. Nous avons préchauffé 10 minutes avant le four à 180 degrés. Une heure et demie est passée. Et nous allons badigeonner notre brioche avec notre préparation de jaune d'œuf et de lait. Et nous allons enfourner notre brioche pendant 20 minutes à 180 degrés. Si vous avez aimé cette recette, pensez à mettre un j'aime ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je reste disponible à travers Facebook ou Instagram si vous le souhaitez. Je tiens à vous remercier pour votre gentillesse et votre fidélité. Et maintenant, il me reste juste une chose à vous dire, c'est à vos fourneaux.